Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'ai reçu un colis de Mille Une Créastuces. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc en fait on a fait un swap. Donc voilà, donc j'ai reçu son colis, il est trop mignon. J'ai juste ouvert le dessus pour que ça soit plus facile. Donc le dedans, en fait il y a plein de masking tape, je sais pas si vous allez voir. D'ailleurs sur le dessus il y avait aussi des petits masking tape comme ça, trop mignon. Donc là aussi il y a plein de masking tape de partout, voilà c'est vraiment trop joli. Donc dessus en fait il y avait juste ça qui était là. Donc en fait c'est le menu du swap. Déjà c'est super bien emballé et il y a du papier comme ça. J'enlève la mousse et voilà. J'aime trop, c'est trop mignon. Donc le premier c'est Camélia d'automne, donc voilà le paquet, il est énorme. Donc je sais pas, on dirait que c'est des pains de Fimo, mais enfin je sais pas, c'est bizarre en fait. Donc on va voir ça. Donc ces paquets sont juste trop mignons, c'est super bien emballé en tout cas. Ils sont magnifiques. Et voilà, je les ai vus, ces couleurs sont magnifiques. Donc c'est de chez Primo. Donc sculpté, donc en fait c'est des couleurs parfaites pour l'automne et l'hiver. Enfin, merci beaucoup. Doré. Enfin si je ne me trompe pas, c'est du doré. Je sais pas si vous allez voir. Donc en tout cas, elle est magnifique. Elles ont tous des paillettes, des reflets. Celui-ci, c'est du doré. Là, l'or antique, comme ceci. Voilà, qui est super joli. Donc celui-là, c'est de l'or antique. Donc c'est du cuivre, comme ceci. Celui-ci, c'est du cuivre. Voilà, pour ça déjà, ça commence, mais super. Ensuite, le deuxième, Hansel et Gretel. Hansel et Gretel, je sais pas du tout. Je sais que c'était des trucs pour la gourmandise, si je me trompe pas. Donc ce sont des petits bâtons d'esquimaux pour faire des glaces. Donc voilà, donc Hansel et Gretel. Ah bah oui, Hansel et Gretel, c'est la sucrerie un petit peu. Donc bah voilà, ça va être parfait pour faire des glaces, ce genre de truc. Mais genre il y a du masking tape, il est magnifique. J'aime trop. Donc merci beaucoup. Ensuite, alors le 3, comme des papillons. Donc, comme des papillons, comme des breloques, des, je sais pas, peut-être des breloques, je dirais, mais je suis pas sûre. Oh, je suis bête, des nœuds, ils sont trop choux. En fait, on voit pas les bonnes couleurs, mais genre, ils sont trop mignons. Qui est rayé, donc c'est celui-ci, donc il est marron et... argenté. Ensuite il y en a un assez gros Vichy, donc qui est comme ça, qui est violet et blanc. Ensuite il y en a un organza qui est bordeaux à pois blanc, il est magnifique. Et il y a un tout petit chocolat, mais c'est pas un chocolat comme j'ai, c'est un chocolat au lait, on va dire, c'est un chocolat au lait. Donc voilà, c'est trop mignon. Pour de beaux souvenirs. Alors le 4. Donc bah voilà, du coup on va ouvrir. Donc le 4 c'est pour de beaux souvenirs. Donc je sais pas du tout. Je pense aux photos, marque-page. Non. Porte-photo peut-être, je sais pas du tout. Je suis nulle en devinette. C'est des. Je suis trop contente. C'est des porte-photos. Donc il y en a deux, donc je vais vous les montrer après. Et en fait, les porte-photos, j'en ai jamais eu. J'ai toujours voulu en avoir parce que j'avais fait genre des créations. Mais je pouvais pas les mettre pour des photos. Et donc là, je suis trop contente. C'est vraiment super bien. Donc, merci mille fois parce que ça, je suis trop contente. Il y en a un comme ça, je pense que c'est un papillon ou un cœur. Un papillon ou un cœur. Voilà. Et on en a en forme de carré, comme ça ils sont vraiment mais trop mignons. Donc merci beaucoup. 5, les cités d'or. Je pense que ça doit être des apprêts dorés. Je pense que c'est ça, on va voir.
Après, je suis pas douée du tout, mais bon. Oh mon dieu. Oh, c'est trop mignon. Voilà tous les petits paquets qu'il y avait, c'est trop chou. Donc déjà, on a un petit porte-clés doré, comme ça. Ensuite, pour accompagner ça, on a des petits clous à œil. Donc ça, je n'en ai jamais eu en doré. Je sais pas si on va bien voir avec la luminosité qui est pas top, je suis vraiment désolée. Voilà, ensuite on a des petites boucles d'oreilles. Voilà. Et enfin, on a des petits formoirs, ils sont trop choux, je trouve. Donc, c'est des formoirs mousquetons. Donc, voilà pour ce numéro. Donc, merci beaucoup, c'est trop mignon. Voilà le numéro 6. J'aime trop, mais tes paquets sont trop choux, c'est un truc de fou. Donc, le 6, pareil, mais différent. Qu'est-ce qui est pareil et différent? Je sais pas. Des perles, des... Je sais pas du tout. Je suis bête, pareil, mais différent. En fait, ça faisait référence au paquet d'avant. Donc, c'est des jolis après-bronze. Donc, tout d'abord, on a des petits straps comme ça. Donc, j'en ai presque plus. Donc, ça tombe bien. Voilà. On a des paires de boucles d'oreilles américaines en bronze. Voilà. On a ça. Donc, je sais pas si c'est un bracelet. Si vous voyez, mais en tout cas, la chaîne, elle est genre un peu striée sur les... Enfin, en tout cas, elle est magnifique. Donc, c'est un collier déjà monté. Comme ça, elle est trop belle. J'ai eu un collier. Donc, voilà le maillon. Je sais pas trop si vous allez voir. Donc, il y a des sortes de petits points ou de petits traits comme ceci. Voilà. Donc, c'est un collier tout bronze, tout simple. Et donc, ça va être parfait pour faire des colliers. Et enfin, là, ça doit être un bracelet. Vous allez voir, mais en fait, il y a doubles anneaux. C'est trop chou. Ensuite, le paquet 7, fine et travaillée. Le paquet est encore une fois magnifique. Voilà, toujours dans des couleurs esprit Noël, automne. Donc, 7, fine et travaillée. Moi, je pensais aux paillettes, mais ça n'a pas l'air d'être des paillettes. Donc, je sais pas du tout. Hop là. Donc, mon dieu. Oh non, mais alors là, je rêve. C'est des filigranes. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est des trucs qui sont tellement jolis. Depuis quelques temps aussi, je regardais et je me demandais si je n'allais pas commencer. Oh, j'ai pas de mots, ils sont magnifiques. Donc, déjà, il y en a une qui est comme ça. On voit rien du tout. Je pense que je vous ferai des close-up. En plus, il y en a plein. Waouh! Donc, on a. Mais elles sont trop belles. Et j'ai également eu deux petits papillons, mais qui sont. Waouh! Et j'ai eu les mêmes en forme de papillon, je trouve. Et je suis soigneusement en train de filmer cette vidéo quand tout à coup mon appareil est tombé. Et à pas sauvegarder les fichiers. Il y a trois numéros, donc le 8, le 9 et le 10. Donc le 8, c'était poursuivre tes lectures. Donc en fait, j'avais dit un marque-page. Et j'avais raison. Donc c'est un marque-page qui est comme ça, qui est trop... Il est trop joli. Voilà. Le 9, c'était à décorer. Donc là, j'étais agréablement surprise en fait. Je sais pas si vous imaginez, mais le nombre de trucs qu'elle m'a mis. En fait, c'est des supports camés... Ce genre de choses. Bien sûr, je vous ferai des close-up. Donc là, il y en a plusieurs. Je crois qu'il y en a deux, voire trois. Non, deux. Les détails sont trop magnifiques, même le derrière. Les petits détails comme ça. Le 10, c'était pour décorer, donc là je venais juste d'ouvrir, donc j'étais en train de vous montrer que déjà elle m'a mis des petites strass, enfin plus des grosses strass, donc qui sont comme ça. Donc il y en a des rouges, des violets et des argent. Non, c'est tout, si je me trompe pas. Donc voilà comment ils sont trop mignons. Elle m'a mis trois petites fioles, j'adore les petites fioles, je trouve ça mais adorable. Donc voilà, trois petites fioles trop mignonnes.
Ça, j'ai pas eu le temps de voir. Donc, c'est des breloques. Oh, il y a une filigrane. Waouh. Donc, je vous ferai le détail après. Donc, il y a plein de petites breloques comme ça. Avec une breloque feuille en bronze. Elles sont trop belles. Des breloques, mais en bronze. Donc, voilà, je vous montrerai après. Oh, elles sont trop belles. Il y a une petite clé, il y a des petites ailes et tout. Les breloques bronze, voilà tout ce cadeau. 11, donc il reste que deux numéros, je suis dégoûtée. Mais bon, alors, numéro 11, de quoi faire des pâtisseries. Donc, de quoi faire des pâtisseries. Je pense que c'est un coulis, mais je suis pas sûre. Enfin, à mon avis, ça a l'air de pâtisserie. De... Oula, j'avais pas parlé. De coulis. J'aime trop le papier bleu. Il est magnifique. Trop contente parce qu'en fait, c'est... J'aime trop. En fait, c'est un coulis de la marque Wipam. Et c'est la couleur chocolat. Et en fait, j'ai jamais testé les coulis Wipam. Donc, ça va me permettre de tester. J'en ai entendu que du bien. Donc, bah, voilà. C'est tout bon. J'ai trop envie de tester, du coup. Voilà, un petit coulis. Oh, j'aime trop. Et donc, voilà le coulis. Donc, c'est un coulis de la marque Wipam. Donc, le 12 3M. Oh, j'aime trop. Mais genre, t'es une folle. Ah, oh, mais il y a plusieurs couleurs. Oh, j'adore. En fait, c'est des rubans. Donc, il y a trois sortes, si je me trompe pas. Ah non, c'est du gris. Ah non, mais en fait, il y a une autre couleur, j'avais pas vu. D'accord. Le 13e, on en avait parlé, donc je crois que c'est la création, parce qu'on devait se faire chacune une petite création. Oh, j'avais raison, mais c'est trop chou. Oh, j'aime trop. Donc c'est trop mignon, c'est dans une petite pochette en organza violette. Et donc il y a les petites créations. Oh, elles sont magnifiques. Oh, j'aime trop. Waouh. Donc ouais, c'est des petites boucles d'oreilles en clip. Donc voilà pour tout ce que j'ai eu, c'est vraiment mis genre énorme quoi, faut le dire. Donc bah je te remercie mille fois, tu m'as genre gâté un truc de fou. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.